Bonsoir tout le monde, vous êtes dans l'atelier de Natacha Créative. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais m'assurer que mon son, il est correct. Je crois que oui. Ah, là, il est correct. Hey, j'espère que ça va bien, vous autres. Moi, je suis super contente parce que ce soir, on va faire de la transformation de meubles. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Et puis, j'en ai 4 gros meubles à transformer dans les prochaines semaines. Donc, je vais avoir du pain sur la planche. Puis, ben, ça va me donner la chance en même temps de faire des beaux directs avec vous autres. Et de vous montrer des choses complètement différentes parce que vraiment, j'ai 4 types de meubles qui ne se ressemblent pas à toutes. J'en ai un qui a un style rétro, un autre qui est un peu plus classique, même si c'est un ancien meuble un peu victorien. Là, j'ai un vieux meuble d'époque qui est pas mal magané. Puis j'en ai un arrière de moi là, avec 9 tiroirs. Donc, j'ai du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Mais on va en profiter, on va faire des beaux directs, puis les 4, ils vont être complètement différents, ça va être totalement des choses qui vont être à l'opposé, puis ça c'est le fun, fait qu'on est content de ça. Hey, j'espère que vous me voyez bien, que tout est parfait, je crois que oui, parce que je pense que je me vois bien dans l'écran, puis ça devrait être correct, donc si jamais il y a quoi que ce soit, faites-moi signe, mais je pense que tout est beau. Ah, coucou ma belle amie, Josée, t'es là! Contente de voir que t'es branchée sur mon direct ce soir. Et puis, on s'ennuie de voir notre monde, hein? Qu'est-ce que tu veux? Avec la Moses de COVID, c'est pas évident, surtout là. On va se souhaiter que le meilleur, et puis, il faut pas lâcher, ça a l'air, c'est de même. Moi, je dis à mon mari, on est comme en guerre, tu sais, on est en guerre contre les microbes, tu sais. Nous, on n'a jamais connu ça de notre vie. Même mon propre père qui est passé 80. Et puis, il dit, j'ai jamais vu un enfant de même. Fait que, tu sais, faut vivre avec ça, a l'air. Hey, bon, ben, hey, salut de la Côte-Nord. C'est cool, ça. Hey, fait qu'on a une belle soirée ce soir. On va parler de peinture colorantique. Et puis, on va parler de peinture à base de craie, puis de cire, puis de vieux meubles qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis qu'est-ce qu'on fait, puis bon, c'est quoi les décisions qu'il faut prendre concernant des fois des meubles qui sont pas tout à fait à notre goût, puis qu'on veut leur donner une deuxième vie au lieu de les mettre au vidange, mais continuez à leur mettre des vidanges parce que ceux qui transforment, ils aiment bien ça, eux autres. On aime ça les ramasser. Moi, mon mari, il se promène, puis il fait comme, ah, ça, ma femme, elle va capoter. Il met ça dans le truc. Des fois, je me ramasse avec 5-6 meubles en arrière, puis c'est correct, ça fait partie de la game, tu sais. Hey, bonsoir de Gatineau! Ah, super! Bon, ben, coudonc, on est chacun dans nos petits endroits particuliers dans le Québec, puis on peut se connecter quand même. Bertrand, t'es là! Salut, Bertrand! Je vois que t'es en ligne avec nous. Il nous suit toujours, Bertrand. Il est toujours là. C'est super cool, je suis contente. Puis en plus, je pense que t'avais des questions concernant la peinture. Fait que tu vas pouvoir avoir des belles réponses ce soir. Puis gênez-vous pas. C'est sûr, pendant que je travaille, c'est pas évident toujours de poser les questions, mais à la fin de mon direct, je vais prendre du temps pour répondre. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Ça va être parfait pour moi de vous répondre vers la fin. Fait que bonsoir à tout le monde. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai un meuble qui est pas très, très beau. Je vais vous dire une affaire que je vais vous mettre un peu plus en face que vous voyez bien. Ça fait un moment qu'on l'a, ce meuble-là. Il était dans le garage à mon mari. Et puis, là, il ne savait plus quoi faire avec. J'ai dit, ben, à un moment donné, je vais le transformer, c'est sûr. Là, je vous dis tout de suite, la lumière ici dans mon atelier, le soir, elle est pas très bonne. Fait que vous allez avoir... Ben, j'ai été obligée de mettre mes spotlights puis fermer mes néons parce que j'étais verte. Puis moi, avoir de l'air verte, j'ai pas envie d'avoir de l'air malade. Ça, c'est le cas de le dire. Fait que c'est sûr, j'ai des flashs, puis c'est pas toujours évident. Il y a des fois où je suis un peu plus lumineuse, mais le but, c'était de voir bien le meuble. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. C'est, je vais peut-être le mettre un peu plus de même. Ah, vous allez voir un peu mieux comme ça. Donc, vieux meuble, magané, bien magané. La personne qui l'avait avant a essayé de le décaper, a vu que c'était un méga job. Et puis, je pense que la personne s'est découragée puis l'a mis au coin des poubelles. Il a dû dire, ça me tente plus de faire d'arranger ça. Fait que j'ai comme 2 tiroirs qui sont pas pires au niveau du
décapage. Et puis le reste, ben, c'est à laisser à désirer. Fait, moi, ce que je fais souvent quand je trouve des meubles comme ça, j'ai plus de place à en mettre chez nous. Fait que là, à un moment donné, je peux pas les garder. Je vais les vendre. Fait que ça, il va partir, il s'en va se vendre. Ça, c'est sûr. Fait que s'il y en a qui vont l'aimer puis vous avez envie de l'acheter, ben, vous me le direz. Ça va me faire plaisir de vous le vendre. Fait que j'y vais avec mon goût. Puis souvent, je vais y aller aussi avec le look du meuble. Puis avec la capacité de ce que je peux faire avec. Donc, souvent, quand on achète des meubles, c'est des coups de cœur. Surtout quand on va dans les brocantes, des choses comme ça. On achète des meubles par rapport au look. Des fois, on les a vraiment pas chers. Puis là, on les achète. Puis on a une idée de où on veut les mettre. Il y a plusieurs facteurs de comment tu vas décider de le décorer. Souvent, c'est parce que c'est votre décor à la maison. Vous allez vous baser de ça pour faire votre création de votre meuble. Moi, différemment de vous autres, mes meubles, j'en ai plus besoin chez nous. Donc, je les fais pour faire des effets, des faux finis, des chroniques, des directs. Et j'essaie de varier mes types de faux finis de façon à vous enseigner des trucs puis vous apprendre des choses que peut-être vous ne savez pas. Puis il y en a peut-être d'autres qui me suivent qui ont déjà vu ces techniques-là. Mais quand même, puis il y en a qui les font différemment. Fait que tu sais, ça peut être le fun d'apprendre ça. Moi, quand j'ai vu ce meuble-là, souvent, il y a des meubles, je ne sais pas pourquoi, ça peut me prendre un an avant de me décider de le peindre. Je vais le regarder, puis aucune inspiration, c'est comme s'il ne me disait rien, puis bon. Il y en a d'autres, je sais ce que je veux, puis je sais exactement la couleur que je veux le mettre, puis c'est de même, puis ça se fait exactement comme ça, puis j'ai pas de complications. Donc, celui-là, je voulais, parce qu'il est vraiment beau. Il y a quand même des belles pattes, il y a des roulettes en dessous des pattes, il y a un peu de travail ici, il y a quand même, bon, le dessus était tellement abîmé, mon mari a refait une petite planche pour mettre dessus, fait que je sais pas comment je vais le finir, mais c'est sûr que je vais faire quelque chose ici en haut avec ça, je suis en train d'y réfléchir. Mais pour l'instant, on va travailler le contour. Moi, j'ai déjà commencé, on va y aller par étapes, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Étant donné que j'ai différentes couleurs, de tiroir. J'aimais l'idée de garder l'effet vieillot de ce meuble-là. Hey, Joanne! Bisous virtuels! Joanne Barrette, mon amie, est là! Hey, un gros bisou à toi! Moi! Et puis, donc, tu sais, souvent quand je les vois comme ça, c'est ça qui m'inspire à créer quelque chose. Moi, je me suis dit, hey, attends un peu. Il y a un look vieillot, il y a un look antique, on le sait. Hey, on va le rendre encore plus antique, on va lui donner un effet encore plus capotant. Dans ce temps-là, j'aime ça aller drastique puis faire quelque chose de vraiment pété, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va faire à soir. On va faire quelque chose d'un peu flyé. Et puis, ça prend tellement peu d'étapes. C'est facile, tout le monde est capable de faire ça. Puis, plus vous n'allez pas faire attention à ce que vous allez faire, plus vous allez avoir un beau résultat. Tout le monde qui me dise « Ah, oh, moi, je suis pas habile, je réussis pas à faire rien, je suis pas bonne à faire des créations », c'est pas vrai. OK, là, je vais vous dire, là, ce type de meuble-là, mettons, le look qu'on veut y donner, tout le monde est capable de faire ça, donc vous allez vraiment triper. C'est simple, ça prend très peu de peinture en plus, ça n'en prend, c'est sûr que si vous avez un set de chambre au complet, vous voulez faire comme ça, ben c'est sûr que ça m'en prend plus, mais ça n'en prend pas tant que ça. Fait que pour commencer, j'ai utilisé trois couleurs, OK? D'abord, ça se peut qu'en cours de route, j'ajoute une couleur. Parce que moi, ça m'arrive souvent, surtout là, je sais, parce que j'ai un côté qui est pratiquement fini, je vous le montrerai tantôt. Des fois, je finis quelque chose, je fais comme, il me semble que je rajouterais un petit quelque chose. Puis là, ça me travaille. Fait que là, je n'ai encore pas décidé le petit quelque chose. C'est-tu de l'antiquer à la fin? C'est-tu de le laisser de même? Puis des fois, il faut faire attention pour ne pas partir en peur. Comme là, tantôt, j'étais comme, ah oui, je vais tout de suite antiquer le côté. Puis après ça, j'étais comme, mais si j'aime pas ça, je vais avoir fait ce bord-là, il va falloir que je fasse tout le meuble comme ça. Fait que dans ce temps-là, je me dépêche pas, je me presse pas. Pas pressé à le faire, on prend le temps. Puis, tout dépendant, une fois qu'il sera complètement peint tout le tour, là, je pourrais prendre ma décision si je veux l'antiquer ou pas. OK? Fait que, on va commencer. Les couleurs que j'ai utilisées pour commencer, j'ai pris un pot de yogourt parce que j'ai fait un mélange. Puis, c'est vraiment pas compliqué le mélange que j'ai fait. Fait que les couleurs que j'ai utilisées,
Vintage crème, OK? Ben, crème vintage, là, de colorantique. On parle toutes de colorantique ce soir, OK? Et puis, Océane, OK, qui est un bleu vert. Il est vraiment beau. C'est un de mes préférés dans la ligne de peinture de colorantique. Et puis, j'ai utilisé Jardin d'été, qui est un vert un peu mousseline. Un beau vert, en fait, OK? Il est comme doux. Donc, ce que j'ai fait en un premier temps, c'est que j'ai pris mon Océane, qui est ce fameux... je vais mettre de même. C'est ce fameux beau bleu... C'est comme un bleu vert gris. Je sais pas. C'est un beau petit vert, en tout cas, bleu vert. Et j'ai mélangé ces deux-là ensemble. OK? Parce que je voulais vraiment un bleu vert ancien. Puis, je les trouvais pas assez anciens, les deux. Je trouvais qu'il manquait d'un petit quelque chose pour mon idée. Parce que c'est pas qu'il manquait quelque chose en tant que tel, parce que je les aime les deux couleurs séparément. Mais pour mon idée que je voulais, j'avais un mix. Je voulais faire un mix. Fait que ce que j'ai fait, c'est moitié-moitié. J'ai vraiment pris une tasse de un puis une tasse de l'autre. Je les ai mélangés ensemble. Je les ai mis dans ce pot-là, dans mon pot de yogourt, puis j'ai mélangé ça. Ça tire un peu plus sur le vert que sur le bleu. Ça fait vraiment un beau mélange, OK? Mais ça lui donne vraiment son bleu-vert antique que je cherchais. Il est un petit peu plus vert que bleu. Fait que je suis très contente. Ça fait pâle, mais beau, OK? Parce que mon but... C'est que le bois, il est foncé, puis on sait que tout ce qui est brun avec vert ou tout ce qui est brun avec bleu, c'est toujours beau, OK? C'est toujours une réussite. Fait que déjà en partant, je trouvais que c'était super comme couleur. Mon vintage crème, où il fait partie de la game dans celui-là, je vous le montre tantôt. Mais la première étape qu'on va venir faire là-dessus, ça va être avec notre mélange de notre bleu-vert, OK? Fait que la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut vieillir la surface. On veut y donner un effet vraiment bois de grange vieillot, abîmé, arraché, la peinture maganée. On veut vraiment maganer notre meuble, là, OK? Fait que la première chose qu'on veut faire pour y donner de la facilité à enlever la peinture... puis de la gratter avec des spatules. Je vais vous montrer lesquelles j'utilise. J'en ai plein de grandeur, OK? Donc, vous pouvez prendre des grattoirs comme ça. Souvent, c'est pour gratter justement la peinture quand on fait du décapage. Et des spatules comme ça, c'est parfait aussi, OK? Fait que ça, c'est ce que je vais utiliser pour venir gratter ma peinture. Et puis, ça va prendre de la cire claire. Évidemment, pour la préparation de notre faux fini, mais aussi pour la finition du meuble, OK? Fait que pour les deux. Fait que ça ne sera pas une perte, là, vraiment. Donc, la première chose qu'on va faire, évidemment, on nettoie le meuble. Pour ceux qui n'ont jamais fait de la transformation de meuble, c'est important quand vous achetez vos... Moi, je pense que j'ai beurré mes lunettes. J'ai mis de la peinture. Ah non, c'est pas pire. Quand vous achetez un meuble qui est usagé, qui est plutôt vieux, c'est important de bien le nettoyer avec une touche de margarita. Hey Christine, ça c'est une bonne idée parce que j'aime bien ce vert-là. Il est très, très vert-jaune. Puis le pire, c'est que j'y ai pensé parce que le margarita, regardez, il est pas loin là parce que j'ai pensé en mettre dedans. Mais bon, Christine, elle surcroise orange, rose, mauve. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que c'est important de nettoyer nos meubles avec un nettoyant tout usage, okay, que ce soit un TSP ou encore le nettoyant de colorantique que j'aime vraiment beaucoup. Il se vend en gros contenant aussi. Vous pouvez en mettre partout après, prendre un linge humide et vraiment bien mouiller comme il faut le meuble, le laisser agir un moment pour bien nettoyer, enlever le gras, le lustre, les saletés, évidemment, bon, tout ça. Et ça permet aussi à la peinture à adhérer vraiment mieux sur la surface. Fait que c'est un must, on doit faire ça. Une fois qu'on l'a nettoyé, il faut vraiment bien le rincer pour qu'il ne reste pas du tout de résidus nettoyants sur la surface. Après, on laisse sécher comme il faut.
Et là, après, on est prête à les peindre, OK? N'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Si c'est un meuble à l'huile, OK, il faut apprêter avec un apprêt à l'huile, un primer, là, ce qu'on appelle primer, entre guillemets, vous devez l'apprêter avant. Moi, ici, j'ai été chanceuse parce qu'il était teint à l'huile, mais il y a eu une couche de décapant à grandeur dessus. Il a été nettoyé, sablé, puis tout ça. Puis il y a des places où ça n'a pas été vraiment enlevé au complet. Donc, moi, j'ai fait des tests avant. J'ai checké si ça tenait. Puis quand j'ai vu que ça tenait, j'ai fait comme... ben, j'ai pas besoin d'apprêter mon meuble. Puis de toute façon, le look que je voulais, fallait pas que je l'apprête, OK? Fait que c'est sûr que si vous achetez un meuble qui est vraiment à l'huile, vous voulez faire ce type d'affaire-là, ça se peut que la peinture s'enlève vraiment trop vite, puis elle reste pas. Fait que je suggère de peut-être nettoyer bien comme il faut, peut-être... c'est peut-être pas le meuble idéal pour faire ce genre d'affaire-là. Mais moi, ici, il s'apprêtait bien parce qu'il y avait déjà eu un décapant dessus. Donc, le produit a fait que mon meuble était prêt à recevoir ma peinture. OK. Avec une touche de margarita. Christine, elle revient avec la margarita. Peut-être que ça se pourrait que je mette du margarita après. J'aime bien les margaritas aussi. la peinture est-elle mate ou brillant? Toutes les peintures à base de craie, ils sont très, très, très mat. Et puis aussi, c'est ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre tant que ça. Puis un, ça les couche sèchent rapidement. Et puis, ça s'applique à la merveille, OK? Donc, quand on peint à base de craie, moi, je le répète toujours, vu que ça sèche vite, hein? Ben, vous devez utiliser des pinceaux, puis les mouiller un petit peu. Mais quand je dis mouiller, c'est pas des tremper dans l'eau, là, à fond. C'est vraiment seulement que des mouiller avec une petite bouteille en arrière au sol, comme ça, d'eau, que vous allez appliquer sur... le pinceau de façon à ce que le pinceau soit humide et surtout au rebord du métal qui tient les poils du pinceau parce que justement c'est là bien souvent que la peinture elle va sécher en premier puis c'est plate. On veut les garder le plus longtemps possible puis longtemps, quand je dis longtemps, pas toute poignée de la peinture dedans. Fait qu'il faut les nettoyer au fur et à mesure aussi. C'est important de les garder en bon état. Tu sais, on paye cher pour des pinceaux, donc on veut quand même pas être obligé d'en racheter trop souvent. Hein? J'aime la couleur. Christine, j'aime la couleur margarita, mais j'en ai jamais bu. Moi, j'en ai bu des bons dans ma vie. Ma mère, elle adore les margaritas. Fait que je peux vous dire que j'en ai goûté quelques-uns. Donc... Il faudrait faire ça un soir, se faire toutes des drinks, puis... Adjamab Ikea, j'aimerais le transformer, je ne me décide pas. Quelle sorte de peinture est-ce que je dois appliquer après? Bon, ton meuble Ikea, est-ce qu'il est en mélamine? C'est la question qui tue. Si c'est en mélamine, évidemment, il faut apprêter avec un primer à l'huile, OK? Vous allez à votre quincaillerie du coin, vous demandez, je veux un primer à l'huile, puis je veux apprêter mon meuble de mélamine. Ils vont vous donner le bon produit qu'ils ont en stock, tout dépendant du fournisseur qu'ils ont en peinture. Vous allez appliquer une couche partout sur votre meuble. Vous allez laisser sécher ça 24 heures. Et après, vous êtes bon pour aller peindre avec la peinture à base de craie, la couleur de votre choix. OK, vous allez faire ce que vous voulez après, pas de problème. Parce que la mélamine, malheureusement, si on met la peinture à base de craie là-dessus, ça ne collera pas. S'il n'y a pas un après, fait que ça prend un primer, OK? En passant, j'ai une vidéo qui va sortir bientôt là, dans les jours, probablement début de semaine prochaine, parce que je suis en train de terminer l'autre qui va avec, parce que j'ai comme deux vidéos, sur comment appliquer la cire, comment appliquer les vernis, les bons trucs pour aller avec la peinture à base de craie. Donc, ça s'en vient. Vous allez avoir ça dans pas long. Je suis en train de terminer tout ça. Pas mal le fun, 45 minutes d'information. Vous allez voir qu'il y en a de l'information là-dedans, sérieusement. Un bon verre de sangria. Bon, on est rendu dans la boisson, ça! Puis le pire, c'est que vous donnez les noms des couleurs en plus de colorantique. Fait que c'est parfait, ça. Sangria, ça l'existe aussi. C'est très bon. Moi, j'aime les sangria blanches. J'aime pas le vin rouge, donc... Bon, donc la première chose qu'on va venir faire, parce que je ne vous montre pas tout de suite mon effet fini, hein? J'ai un côté qui est fini,
Puis j'ai un côté qui est en étape, qui a une étape de fait. On va faire la deuxième étape. Donc là, on va faire la première étape pour commencer. OK? On prend quoi pour nettoyer? Du TSP, ça se vend en magasin, ou le produit nettoyant de chez Colorantique exprès pour nettoyer les meubles. OK? Puis comme je disais tantôt, là, vous nettoyez complètement, puis vous rincez le meuble après, vous laissez agir un peu, là. Puis enlève la bouteille. Ah! Merci Pauline! Elle était vraiment dans les jambes, la pauvre, hein? Bon, super! Fait que la bouteille n'est plus là pour vous déranger, là. Fait que la première chose qu'on va venir faire ici, OK, c'est qu'on va venir mettre de la cire sur notre meuble tout de suite, OK? Parce que moi, ce que je veux, là, c'est que je veux que ma peinture s'enlève facilement. Je veux pas travailler fort. J'aime pas ça, travailler fort. Ça m'énerve. Donc, on va prendre la cire naturelle avec le pinceau pour la cire, OK? Peux-tu enlever le pot? Quel pot? Il n'y en a pas d'autre, là? Si je l'ai enlevé le pot. Je suis pas sûre, il doit pas en avoir un autre certain, là. OK. Donc, avec ces pinceaux-là, qui est un pinceau rond, il est un peu sale parce que mon bois, il veut pas, il a été décapé, fait qu'il sort un peu foncé. Mais c'est pas grave, je vais le laver tantôt. Chin-chin, Sylvie! Fait que ce qu'on fait, c'est qu'avec la cire naturelle, je m'en viens mettre de la cire sur mon pinceau, OK? Puis je m'en viens mettre de la cire sur mon meuble. Là, moi, ça me dérange pas. Je vais venir coller mes tiroirs, OK? Parce que je veux peindre toute la façade et les contours. Bon, je ferai ça après, OK? Donc, je m'en viens faire ça. Puis, pas plus grave que ça. Je prends un tournevis après pour les sortir de là. Je prends ma cire, puis je m'en viens d'en mettre un peu partout sur mon meuble, OK? Je m'en viens pas faire une finition, là. Je m'en viens juste mettre de la cire sur ma surface. Parce que ce que je veux, c'est que ma peinture, ben, elle s'enlève facilement. Je n'ai pas à travailler fort. Ça ne me tente pas de m'arracher le bras à sabler ou à gratter ma peinture. Puis ce que je veux, c'est que ma peinture, elle arrache. Je veux qu'elle s'arrache. OK? Là, j'ai encore quelqu'un. OK, c'est bon. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait... Parce que des fois, on a des... Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques temps, quand je fais mes directs, j'en ai qui essayent de vendre des patentes européennes d'argent de prêt, puis ça a commencé, ça, fait que... Bon, donc, je fais ça partout, un peu partout. Je suis pas obligée d'en mettre partout. Je peux laisser des espaces où il y en a moins, OK? Le but, c'est quand même d'en mettre, faut pas que je travaille trop fort, OK? Fait que j'en mets vraiment un peu partout, plus, moins à des places, OK? Mettre un peu plus bas. Là. Vous autres, vous voyez moins bien en bas, mais c'est pas grave. Je pense que l'idée, c'est de comprendre ce que je fais. Ceux qui n'ont pas de cire, vous pourriez prendre une chandelle blanche puis gratter la chandelle, la cire de la chandelle sur votre meuble. C'est sûr qu'anciennement, c'est ce qu'on faisait. À ce temps, ben, de toute façon, ça vous prend de la cire pour faire la finition. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes aussi bien de prendre la cire, puis ça va vraiment bien. Ça glisse bien, puis c'est pas trop compliqué. Bon, fait que... Bon, j'ai mis de la cire sur ma surface. Et puis là, je vais juste mettre ça de côté. Pour pas que mon pinceau sèche, je les mets toujours à la suite dans des sacs de plastique. OK? Entre chaque affaire que je fais. Et le pinceau à la cire, c'est sûr que ce soir, je vais le nettoyer tout de suite parce que je ne fais pas de la finition. Quand vous faites de la finition, vous pouvez laisser votre pinceau à la cire dans le sac pendant quelques jours. Le temps que vous finissez de faire la finition de votre meuble, des fois, ça prend quelques jours avant, OK? Donc, ensuite, ma première étape, c'est de prendre mon fameux pinceau. Vous pourriez prendre un pinceau plat aussi. C'est pas obligé de prendre un pinceau ovale pour faire ça. Moi, c'est parce que je les aime. C'est mes préférés. J'ai mis un petit peu d'eau, comme tantôt, pour vraiment mouiller mes poils pour pas que ça sèche trop rapidement. Et là, je m'en viens avec mon pinceau. Je m'en viens prendre de la peinture. Ma peinture que j'ai déjà mélangée avec un moitié-moitié de mon océan et de mon jardin d'été. Et là, ce que je m'en viens faire,
c'est que je m'en viens glisser mon pinceau, OK, pour donner des effets striés de bois, OK? Donc, je m'en viens, je peux en mettre à des places plus, à d'autres places moins, OK? L'idée, c'est de créer un effet un peu plus rustique, OK? Donc, ici, c'est sûr que les contours, on va y aller comme ça. J'ai une mouche qui me suit depuis cet après-midi. Je suis incapable de lui enlever la vie. Elle se sauve trop rapidement. Pas fine, hein? Donc, quand je dis j'en mets pas partout, c'est que j'en mets pas partout. Je peux en mettre un peu plus, mettons, sur les contours. Si je veux vraiment comme rendre mon contour un peu plus bon, comme ça. Je reste, j'aurais pu, si j'avais un meuble avec des tiroirs que le bois, le grain de bois était sur l'horizontale, j'aurais mis ma peinture sur l'horizontale. Mais mon grain de bois, il est sur la verticale ici, donc j'ai décidé de garder la verticale pour faire mon faux fini. OK? Sauf, mettons, mes cadrages. Mais on reste pogné dans la bébelle de mon tapis, un peu tannant. Donc, je m'en viens comme ça. Ça a l'air blanc peut-être pour vous autres, parce que là, évidemment, moi, le vert avec la lumière, là, ça sort pas, peut-être pas autant. Et il faut pas s'arrêter. Tu sais, des fois, quand on peint, on fait comme, oh, j'aime pas bien ça. Là, c'est pas bien beau. Ça, là, ce que tu fais là, c'est normal. On est à une première étape de création. Puis souvent, c'est comme ça quand on fait des affaires. Et j'ai déjà fait un meuble à Sorel. J'avais fait une démo. Je pense que j'ai fait peur aux clientes. Ils ont vraiment capoté. Ils ont vraiment dit, hey, mon Dieu, Natacha, ça n'a pas d'allure. Ça sera jamais beau, ton affaire. Écoute, les femmes ont tellement capoté quand ils ont fini. Ils ne pouvaient pas croire que j'avais commencé avec un même style que ça. L'autre, souvent, j'ai eu ces commentaires-là aussi quand j'ai passé à Design VIP avec Marie-Christine. Il y a beaucoup qui avaient écouté mon émission et qui avaient dit, mon Dieu, Natacha, au début, ton meuble, là, ça faisait dur, solide. On ne savait pas où tu t'en allais avec ça. Mais c'est comme ça, quand on transforme des meubles, il faut passer des fois par des étapes qui ne sont pas nécessairement bonnes pour le look là, au départ, tu sais. Fait que c'est normal, il ne faut pas s'en faire avec ça, ça fait partie de la game. Puis une fois fini, c'est là que c'est beau, ok? Là, c'est sûr qu'avec la lumière, vous autres, ça doit être un peu plus lumineux. Tantôt, je vous montrerai, de toute façon, vous allez voir les étapes, je vais vous montrer les autres étapes, ok? Ça, là, ça sèche vite, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de couches là-dessus, là. OK? Il y en a très peu. Donc, c'est certain qu'étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, ben ça va sécher rapidement, puis vous allez pouvoir finaliser assez vite votre meuble aussi. Fait que ça aussi, ça, c'est le fun pour ça. Je ne sais pas si c'est clair. Ah ouais, on voit quand même bien. Faut pas avoir peur, OK? Parce que quand on y va trop parfait, ça ne donne pas un effet vieillot comme on voudrait, OK? Fait qu'on ne s'applique pas nécessairement pour faire ça. Il me reste le bas. Je vais peut-être vous transférer un petit peu pour que vous puissiez voir le bas. Bougez pas. Bon. Tiens, je vais tasser ça un peu. Donc, là, je pense que j'allais voir au moins le bas.
essayez de garder le pinceau le plus droit possible, de ne pas faire trop de parties croches, OK? J'avais un tiroir qui était pas mal magané, celui du bas, là. Je veux dire, là. Pas grave, c'est ça qui va être beau. Ça, je disais tantôt, j'aime bien utiliser le fait que le meuble, il a son style, puis il est magané, tu sais. Fait que ça me donne plus de possibilités pour réaliser des faux finis un peu spécial. Bon. Fait qu'on va faire passer à la deuxième étape le temps que ça sèche. Bon. Les pattes, ça, je vais faire ça plus tard. Puis là, après, ben, vous pouvez regarder, tu sais, dire, bon, ben, écoute, je trouve qu'il en manque un peu là. Ici, je vais retravailler ça, c'est sûr et certain, parce que je pensais peut-être la mettre beaucoup plus pâle que les autres, mais on verra, une fois que je vais avoir fait ce que je veux faire comme effet, qu'on verra ce que ça donnera. J'aime bien travailler après. Bon. OK. Je vais mettre un peu de côté. OK. Bon. Fait que là, on va laisser sécher celui-là. Là, qu'est-ce qu'on fait après avec notre fameux pinceau? Je vous ramène un peu plus droit. Ha! Elle dit trop chic, Natacha, pour faire ça. Ben non. Moi, j'ai pas. Ouais, peut-être. Aujourd'hui, j'avais une grosse journée, puis je me suis pas changée pour peinturer. OK. Après. Je remouille mon pinceau, OK? Et je le mets dans le sac en attendant que... Je vais vous enlever ça dans le visage. En attendant que je fasse mes autres étapes. Parce que je veux pas que mon pinceau sèche, là. C'est ça le but, OK? Fait que je mets ça dans mon sac. Je le ferme pour pas qu'il sèche. Puis, quand j'ai fini, à la fin de ma journée, ben je peux venir le laver. Si vous voyez qu'il se remplit trop rapidement, la peinture, ben vous pouvez le nettoyer entre les couches. Mais moi, je préfère attendre que j'ai fini mes étapes, OK? Donc, on va laisser sécher ça. Ça sera pas long. C'est beau, hein? Je veux pas vous décourager. Surtout pas. OK, on va aller à la deuxième étape, Pasteur. Je vais prendre mes choses pour pas qu'il me manque rien. Mon crème vintage. Celle-ci. OK. Et puis là, vous allez me suivre. On va changer de place. Excusez-moi si je vous twiste de place de même. Vous allez voir les autres meubles que j'ai. Et là, je vais mettre la lumière un peu plus vers vous autres. Je pense que ça va être un peu plus beau de même. OK. Bon, là, j'ai-tu mon autre pinceau? Ça, c'est mon autre pinceau. Mes grattoirs, on va les mettre ici. Bon. OK. Donc, là, j'ai mis ma couche de verre de tantôt, puis je suis venue gratter après. OK? Puis gratter, là, vous pouvez faire différentes affaires. Vous pouvez venir gratter avec votre fameuse spatule, comme ça. On est lavé. Moi, je l'ai fait, ça fait quand même un petit moment, là. Fait que ça part plus bien, 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 un petit peu. Vous voyez, là, je peux m'enlever, là. OK? Donc, ça s'enlève assez rapidement, assez facilement. Comme ça. Bon. Là, je peux gratter. J'ai Mademoiselle la mouche qui nous suit. Bon. Donc, je peux même prendre mon grattoir comme ça et me gratter plus si je veux. Mais je veux quand même garder du verre, OK? Je veux pas
je veux pas tout enlever mon verre. Et là, ma prochaine étape, c'est de prendre ma peinture vintage crème. Bon, t'es un petit peu, là. Bon, comme ça. J'ai un spotlight l'autre bord, mais je pense que vous allez être correct pareil. OK, parfait. Bon. Donc, je prends mon pinceau. Encore une fois, je le mouille. Hein? Bien important. Je veux pas qu'il sèche. Je prends mon crème vintage. Et là, je vais faire exactement la même chose que j'ai faite avec mon verre tout à l'heure en façade. OK? Donc, je m'en viens avec mon pinceau. Puis, par... Ah non, pas tout de suite. Mon Dieu, je m'en vais faire une gaffe. Je vais aller trop vite. Je reprends mon pinceau avec la cire, OK? Fait que je prends mon pot de cire, naturel encore. Je prends ma cire, puis je m'en viens frotter par-dessus, OK? Mon verre. Parce que je veux, encore une fois, que mon crème s'enlève facilement. Donc, je m'en viens mettre ma cire partout sur mon meuble. Ça fait de la cochonnerie, donc protégez vos surfaces par terre ou plancher ou faites ça dans un garage. OK? Bon, il y a du tannante, la mouche. Hey, je ne sais pas pourquoi, mais les mouches aiment la peinture pour vrai. Je ne sais pas si c'est l'odeur de la peinture, mais c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment comique. Je sais pas si c'est les produits qu'il y a dans la peinture qui fait ça. Peut-être la cire d'abeille. J'ai aucune idée. C'est bien bizarre. Bon. Donc là, j'ai mis ma cire. C'est collant. OK? Je le sais que c'est collant. Je le sens. Ah oui, il y a mon mouche là. Va-t'en. Et là, je m'en viens par-dessus. OK? Frotter ma peinture. Pour donner un effet vieillot. OK? Je m'en viens comme ça, plus ou moins à des places, comme j'ai fait tout à l'heure. OK? Puis, je m'en viens mettre ma peinture. Vous voyez bien, là? Oui, je pense que oui. Bon. J'aurais pu y aller avec un pinceau plat aussi, mais moi, ça me dérange pas. J'aime ça quand il y a des détails niaiseux, là, comme ça, que je peux réparer pareil. Fait que, tu sais... Fait que je m'en viens. Puis, ce qui est le fun, c'est que le fait qu'il y a de la cire sur ma surface, ma peinture, un bon Québécois, elle grippe. elle peut me permettre de justement créer un faux fini intéressant. Parce que elle ne fera pas une peinture lisse, étant donné que ça mord dans la cire. Okay? Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Ça donne tout un aspect intéressant. Je dis bien grippe. Un bon Québécois. Bon. Il y a des plages, je peux en mettre plus, moins, c'est pas grave. Puis, il n'y a pas moyen de faire de gaffe ben. Parce que si jamais, une fois que vous avez fini votre crème, puis là, vous avez enlevé votre crème, parce que là, on va faire l'étape d'enlever ça après, ben automatiquement, là, si vous dites oh, j'ai presque plus de verre, ben remettez-en. Il n'y a pas de problème à en remettre. OK? Comme je disais tantôt, ça sèche vite. Fait que. Bon. Puis, si encore. L'idée, c'est pas d'enlever tout le verre. Là. C'est d'en laisser quand même. Et puis. Ça, je vais fermer ça. Et puis là, après, comme j'ai fait tantôt, on vient protéger notre pinceau, la même chose, OK?
On le remet dans le sac. Moi, je rajoute un peu d'eau sur mes soies pour pas qu'il sèche. Puis, encore une fois, je le laisse dans mon Ziploc pour pas que la peinture sèche dedans. Fait que ça, c'est pas très, très long à faire, comme vous pouvez voir, là. Hein? C'est assez rapide. Donc, là, je vais laisser sécher mon crème. Puis, comme je vous dis, c'est pas fini. Fait que tant que c'est pas fini, vous ne pouvez pas vraiment voir le résultat parfait de ça. La mouche, elle reste sur le meuble. Elle tripe bien raide. Là. C'est drôle au bout. Donc, on va s'en aller l'autre côté. Là, je vais amener mes choses. Puis, juste pour être sûre que j'oublie rien. Ça. Ça. Ça, je suis correcte, je n'ai pas besoin. Et là, on va se transférer. Vous allez le voir avant moi. Et voilà. On est de l'autre côté. Et je m'en vais de l'autre côté. Je vais enlever mon banc. Et là, comme fait voir. Là, on voit un peu mieux. J'ai du vert, j'ai du blanc et j'ai mon bois de départ. OK? Et puis, moi, je veux vous montrer de près. Ça, je ne vois pas vos commentaires parce que c'est sur mon autre et j'espère juste que mon écran ne tombera pas. OK, comme ça. OK. Je veux vous excuser si ça bouge. On va arrêter à un moment donné. Je veux que vous voyez un peu. C'est ça que je voulais. C'est ce résultat-là. Je veux que ça fasse vraiment comme de la vieille peinture qu'il y a eu déjà, par exemple, sur le meuble, mettons, du vert. Puis là, j'ai rajouté, mettons, de la peinture blanche ou du crème. Et je veux me ramasser comme ça. Je pourrais... Ça, c'est chacun notre goût. Il y en a qui aiment ça bien magané, il y en a qui aiment ça moins magané. OK? Fait que ça sera à vous de décider... Comment vous voulez avoir votre meuble? Voulez-vous plus comme vieillot? Le voulez-vous moins? Ça sera à vous autres de décider exactement ce que vous voulez. Mais si. Puis l'autre chose, c'est que vous pourriez antiquer. Comme pour moi ici, c'est comme terminé. OK? Parce que j'ai enlevé mon blanc. On va y aller après de l'autre côté parce qu'il va avoir le temps de sécher. C'est déjà enlevé mon blanc. Le haut ici, je vais probablement le mettre foncé. Je vais réfléchir parce que je ne suis encore pas décidée. Et parce que je veux que ça ressorte. Puis ici, je veux mettre une petite moulure tout le tour. Fait que ça, je vais faire ça par la suite. Mais l'idée de base, c'est de donner un effet vieillot à mon meuble. Ce qui est important quand on décide de faire ce type de meuble-là, c'est de mettre les bonnes poignées. OK? Fait que moi, ici en avant... je vais choisir des poignées qui vont aller avec le look du meuble, un peu rustique, un look intéressant. Excusez, ça pique. J'ai rencontré un chat aujourd'hui, fait que ça fait que j'ai le nez qui est plus piquant. Fait que je pourrais, si j'aime les effets antiqués brun, je pourrais antiquer mon meuble brun et là, mon vert... Et mon crème viendrait plus foncé, mais ça donnerait un effet encore plus rustique. Fait que ça peut être une possibilité. Vous pourriez aussi antiquer avec une cire blanche. Quand je dis antiquer avec une cire brune, c'est que vous en avez avec la cire brune, vous frottez, puis vous enlevez l'excès, puis là, ça va s'en dans les coins. Ça va être très, très beau, OK? Ça pourrait faire... Vous pourrez en mettre un peu partout aussi, puis ça fait vraiment joli. Ça dépend ce que vous voulez. Vous pourriez faire un test sur une petite planche de bois à côté pour vous dire si vous aimez ça ou pas, OK? L'autre chose, c'est que vous pourriez aussi le faire avec une cire blanche. Ça serait super beau aussi. Ça donnerait un effet un petit peu plus vintage, un petit peu plus shabby chic. Ça pourrait être intéressant aussi. Moi, ici, j'en mettrai pas. Ça, c'est, je suis à peu près certaine de mon affaire parce que j'ai déjà fait le test. Et puis, j'aime le fait qu'on voit le vert en dessous. Puis tantôt, je pense que c'est Christine qui disait, je pourrais, mettons, rajouter de la couleur là-dessus. Je pourrais mettre du margarita, je pourrais mettre sirène, je pourrais mettre un peu plus de bleu. Tu sais, comme sirène, c'est un peu turquoise. Fait que je pourrais venir, mettons, dans des coins, frotter un peu de peinture, venir juste essuyer un peu de couleur. Légèrement avec un petit pinceau, juste en mettre ici et là,
pour venir donner un peu de teinte à mon meuble. Je pourrais faire ça aussi. Je dis pas que je le ferai pas. Je suis encore pas sûre. Je préfère de finir. Quand on a des effets spéciaux qu'on veut faire comme ça sur nos meubles, on est mieux de finir le meuble au complet, de le regarder, de prendre le temps de l'examiner, puis de dire, OK, il manque un petit quelque chose. Il me semble que je rajouterais, mettons, ça ou ça. Fait que pour ça, je vous suggère fortement de le finir. Vous le finissez, vous le faites tout comme ça, au complet, parce que moi, c'est ça mon but. Puis après, ben, vous dites, OK, ben là, là, il manque quelque chose, je vais rajouter. Fait que attendez d'avoir terminé pour être capable de prendre la décision de faire un changement comme ça. Parce que si vous ajoutez de la couleur, ça va venir tâcher, vous ne pouvez pas venir l'enlever. Là, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre un risque moindre dans ce temps-là. Okay? Fait que ce côté-là, il est terminé. Il est fini, moi, il est à mon goût, j'aime ça, il est magané. Puis peut-être même que je vais le maganer davantage, je vais probablement le gratter encore plus. On verra. Si ça vous arrive que, donne un exemple, vous avez mis trop de crème, la deuxième couche qui est par-dessus, qu'on vient de faire de l'autre côté. Puis là, vous grattez, puis faites, qu'il manque du vert. J'ai perdu du vert dans mon affaire. Puis je l'aimais mieux plus vert. Bien, rien n'empêche. Vous mettez un petit peu de cire, faites comme tantôt. Puis là, vous mettez votre vert, puis vous revenez gratter, et grattez moins la troisième fois. Vous allez voir le vert apparaître par-dessus. Fait qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème à rajouter. Vous dites, ah, j'aime mieux plus de vintage crème, parfait, vous rajoutez du crème. Vous avez plus le vert, bien, vous rajoutez plus de vert. Fait que ça, c'est tout à votre goût, à vous autres, tu sais. Moi, j'aime ça bien magané, j'aime ça quand un meuble a comme un look un peu plus, parce que je suis une fille comme ça, je suis pimpante dans la vie, mais j'aime les meubles qui sont pimpants et qui ont du caractère. Fait que c'est la même chose pour moi. À date, j'aime ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que je me suis basée de mon bois dans l'arrière, tu sais, pour faire ça. C'est ça qu'on veut quand on trouve des meubles qui sont plus ou moins beaux. Des fois, on peut utiliser ces types de looks-là pour justement embellir un meuble. En avant, j'ai une idée de poignée. Je ne les ai pas trouvées encore, mais ça s'en vient, c'est en train de se préparer. Je m'en vais rencontrer des gens demain pour ça. Fait qu'on verra, ben, déjà, je m'en vais à une boutique. Et puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon côté terminé. Là, on va aller gratter en avant parce que c'est sec. Fait qu'on va aller faire ça. Puis après, on va entamer l'autre côté parce que mon crème va être sec. Fait que ça, vous allez comprendre un peu le principe. Fait que je vous switch ça. Ça sera pas long. Je vais juste changer mon petit banc de place. Pendant ce temps-là, vous pouvez examiner la surface de mon meuble. Et puis... Bon. Je place tout ça pour vous autres. Je vais prendre tout ce qu'il faut. Oups. Aïe, aïe, aïe. Me voilà! OK, fait que je suis rendue à l'étape... Voyons, je te dis, cette affaire-là, c'est tannant. Bon, j'ai bien des tapis ici parce que j'ai pas le choix de protéger mon plancher avec tout ce que je fais. Donc, j'ai deux... j'ai une spatule et j'ai un grattoir. Fait que tout dépendant comment facile ou pas que je suis capable d'enlever ça, on commence doucement, hein? Et comme fait voir, ça s'enlève super facilement, OK? Fait que tu sais, ça dépend, il y a des fois, on dirait que ça va moins bien que d'autres. Et puis, là, je vais juste le tasser un peu. Okay. Et là, vous venez gratter votre meuble et enlever. Fait que, tu sais, vous pouvez promener entre le... la mouche, la voyez-vous, coudonc? Elle est vraiment tannante. C'est vraiment drôle. Donc, on s'en vient gratter. Ah!
ça s'enlève bien, là, comme je vous dis. Tu sais, comme ici, le fait que je l'ai fait sur l'autre bord, puis venir gratter comme ça. Ici, ben, je vais y aller tantôt. Je vais enlever mes tiroirs pour faire ça. Fait qu'on prend le temps. On y va pas trop fort parce que des fois, à cause qu'on a mis quand même de la cire, ça peut aller très vite. Ça peut s'enlever super facilement. Donc, on s'amuse à le maganer. Dans mon bain. Et puis, je peux m'amuser des heures comme ça à gratter. Enlever plus ou moins, tu sais, tout dépendant de ce que vous voulez faire comme résultat. Restez toujours dans le sens du grain du bois. Allez-vous pas comme ça sur la façade. Parce que ici, oui, c'est correct parce que mes moulures sont ici, c'est correct. Mais sur les tiroirs, si vous faites ça, ça va faire vraiment des coups pas de fun. Hey, je suis toute année d'être poignée dans ce tapis-là, moi. Bon. Ça, la cochonnerie. Comme ça. Mon autre spatule, je l'aime mieux que mon autre. Bougez pas. Je vais prendre aussi des petites. Fait que c'est au choix de chacun. J'ai mis mon pot. Hein. Moi, j'aime bien celui-là, il va bien. Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Je me suis trompée. Bon. De venir maganer la surface comme il faut partout. Je vais prendre, j'en ai un plus petit aussi, comme quand vous êtes dans des petits endroits. Donc la cire vous permet justement de ne pas travailler trop fort pour faire ça. Ça s'enlève bien, là. C'est que moi, je fais attention parce que je ne veux pas arracher trop de peinture, là. OK? Déjà, on voit que... Bon. Là, c'est sûr que lui, de toute façon, je vais faire autre chose parce que je veux y arranger le tiroir. Donc, je m'amuse comme ça. Je peux passer une demi-heure facile à gratter. Surtout que là, on est sur la façade. Il y a beaucoup de tiroirs. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus d'ouvrage. Je pense, oui.
voyez-vous bien quand même. C'était pas évident avec la lumière. J'avais la lumière tantôt, je vais la remettre sur la façade. Je pense que vous allez voir mieux comme ça. Ouais. Bon. Bon, donc je pense que vous comprenez le principe. Moi, c'est sûr que je vais continuer là-dessus un petit moment. Je ne vais pas prendre tout votre temps pour faire du grattage de peinture. Ben, je vais vous montrer l'autre étape. Bon. Partir autant du bas que du haut. Et voilà. Donc, on fait ça partout jusqu'à temps que ça soit à notre goût. Ça commence à avoir l'air de quelque chose. Cool. Moi, j'aime ça au bout. Il y en a qui aiment moins ça, mais moi, j'aime bien ça. Ça. Il me manque un peu de peinture dans le bas, mais ça, c'est pas grave. Je pourrais mettre un peu plus de blanc. Bon. OK. Donc, on va aller faire l'autre côté, parce que l'autre côté, on a mis de blanc. Hey, je commence à trouver ça vraiment beau, là. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien ça. OK. Bon, on va aller l'autre côté. On va vous montrer, parce que mon blanc, il est sec. On va emmener mes petits outils pour vous montrer ça. Tapis. Comme je disais, ça fait de la cochonnerie à terre. C'est normal. On doit... Oups! Excusez, j'ai échappé une boîte en même temps. Les joies du direct. Bon. Je vais vous relever un petit peu. Je pouvais pas vraiment mettre en place toutes mes caméras aujourd'hui. C'était un peu plus compliqué. Non. Je pense qu'on voit bien, là. OK. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est assez blanc. Là, c'est pas mal sec. Il y a peut-être un petit peu ici que c'est moins sec, mais c'est pas grave. Ça va super bien partir. Donc, la prochaine étape... Sylvie a dit, il va être magnifique, je le vois déjà. Combien de temps de séchage avant de gratter? Hey, sérieux, c'est au toucher, là. C'est sec, go. Ça peut prendre max entre 20 minutes puis une demi-heure à peu près. Fait que c'est vraiment pas long parce que, ben, tu sais, moi, c'est parce que j'ai pas mis bien épais de peinture. Tout dépendant si vous en mettez plus épais ou moins, ben, ça peut faire la différence. OK? Donc, je vais mettre plus en main. Bon. Donc, là, on est rendu à enlever le crème. OK? Là, c'est là que le plaisir commence. Moi, à mon avis, là, ben, je trouve ça encore plus beau quand on est rendu là. Là, on voit vraiment.
la vie, c'est là le plaisir vraiment de voir les couleurs sortir comme ça. Ça me fascine. C'est sûr que vous autres, avec le gros, la grosse lumière, c'était pas aussi évident. Je vais vous mettre plus près tantôt, que vous puissiez voir. OK? Mais déjà, regardez que ça fait. Ah, moi, je capote. J'aime trop ça faire ça. Ça, c'est libérateur en plus. Fait que c'est vraiment le fun parce que là, vous allez avoir un effet rustique. Imaginez-vous un beau buffet comme ça, là. Aïe, aïe, aïe. Mettez les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces couleurs-là, là. Okay. Puis, il y a là avec des tons de bleu, là. Ceux qui aiment le bleu, ça fait vraiment beau. Dans les tons de gris aussi, vous auriez vraiment un résultat spectaculaire. Je vais juste descendre un peu la densité de ma lumière parce que je trouve que ça jure un peu. C'est trop blanc. Je sais pas si... ouais, je pense que ça va être un peu mieux pour vous autres demain. Ouais, là, vous allez avoir plus le résultat. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'à travers le blanc, vous allez avoir le vert qui va sortir, puis tu sais, c'est ça qui est vraiment cool, là. Si vous êtes en train de faire ça, puis il y a des endroits où vous aimez moins, que ça a fait comme des petites lignes, ben repassez, c'est pas grave, puis à un moment donné, ça va venir un petit peu plus large, puis ça va faire moins de lignes. Bon, c'est ça, c'est cool. Des places un peu plus maganées, là. C'est ça qu'on veut. Hein? J'entendais une roue de bruit. Il pleut-tu, là? Ah, c'est ça. J'avais ouvert ma fenêtre. Bon. Bon. Une fois qu'on a fini ça, mettons vous dire, ah, OK, moi, je l'aime de même, là, je ne veux plus y toucher. OK, là, ce que vous devez faire, parce que là, vous avez enlevé de la peinture. Il y a des endroits que ça peut être un peu plus magané. OK? Puis, ça se peut que ça fasse un petit peu de comme des... C'est comme quand on y touche, ça fait un petit peu raboteux. OK? Ben moi, ce que je vous suggère de faire quand vous êtes rendu là, puis vous dites, OK, ben là, je pense que c'est à bon goût, là, j'aime ça demain. Vous allez prendre une éponge, une éponge assemblée. Et là, vous allez venir sabler légèrement la surface, OK, pour venir adoucir le tout. Pas besoin d'un gros sablage. C'est juste pour enlever les excès de peinture, de crème. Puis en même temps, bien, ça va adoucir la surface qui est cirée. Si ça vous tente de sabler plus à des endroits, ben vous pouvez le faire aussi, tu sais.
avec de même. Et voilà. Donc, pour moi, ça, c'est à mon goût. C'est fini. Fait que quand j'aurai fini tout le tour au complet, comme je disais, le choix des bonnes poignées, c'est sûr qu'une fois fini, c'est une bonne cire partout qui va donner encore un effet beaucoup plus rustique. Une belle thérapie en plus pour le moral. Sylvie, ouais, c'est ça, tu vaches ton meurtre. Moses de COVID! Bon, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Bon, encore un autre. Si jamais vous êtes capable d'enlever le moumouni bas, la personne, en tout cas, c'était une autre affaire comme la semaine passée, là, qui n'arrête pas de nous mettre des messages pas le fun. Vous irez les dénoncer, s'il vous plaît, puis les bloquer, ceux qui sont bien bons là, sur Facebook. Là. Moi, je peux pas rien faire avec le système. OK. Donc, une fois que vous avez terminé ça, ben vous allez pouvoir cirer la dernière couche de cire. Vous n'avez pas besoin d'en mettre tant que ça parce qu'il y en a eu quand même deux couches entre les deux. Et puis là, vous allez être bon pour justement le finir comme ça. J'ai pas fini, là. Moi, il faut que je fasse tout le devant, il faut que je le termine, il faut que je décide ce que je vais faire sur le dessus. Je suis pas décidée encore tout à fait. Donc là, je suis rendue là. Et puis, j'ai vraiment hâte de le finir. Je vais essayer de le finir assez rapidement. Puis peut-être que je ferai un autre direct sur la finition du dessus de ma tablette. Et puis, tout le reste, là, du meuble, là, tout ça. Parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Puis dans les prochains jours, je ne pourrai pas nécessairement le finir non plus. Fait que, quand tu parles de cire, Linda a dit, quand tu parles de cire, je vais vous montrer, OK? Mon couvert, je vais aller chercher mon couvert de mon autre cire. Je vais vous montrer c'est quoi. J'arrive. Bon. Je vous dis ça tout de suite. Hey, il est tannant, là, celui qui écrit des affaires. Là. Je trouve ça bien plate. Bon. Est-ce qu'on pourrait mettre un vernis au lieu de la cire? OK, là, non, on a un problème. Non, on ne peut pas mettre un... Là, à cause qu'on a mis de la cire entre les couches, il y a la cire, elle est déjà sur le... Là, je vais vous demander un grand service, la gang, si vous êtes capable d'aller bannir, bloquer le moumouni, là, s'il vous plaît. Allez faire ça tout de suite, ça ferait bien mon affaire parce qu'il n'arrête pas de poster des affaires puis ça revient tout le temps, je ne suis pas capable de voir les messages que vous m'envoyez. OK? Fait que ça, c'est de l'harcèlement, là. Je trouve ça bien fatigant. Ça serait beau avec un peu de noir. Tu parles en peinture ou en cire? OK. Là, je voulais répondre tantôt. Peux-tu... OK, le vernis... Non. OK, fait que non, vous ne pouvez pas mettre de vernis sur un meuble que vous avez fait des étapes de cire comme ça. Ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de la faire la finition à la cire, OK? Bien important à cause de ça. Vous voudrez... vous vouliez... attends une minute. Là, c'est parce que c'est le mot juste de message. J'ai bloqué la personne qui manque. OK. Est-ce qu'on pourrait mettre un vernis au lieu de la cire? Écoute, ça revient tout le temps à cause de l'autre qui n'arrête pas de mettre des messages. La cire d'abeille. OK, la cire d'abeille, c'est ceci. OK, la cire d'abeille de... Je vais essayer de donner le beau droit. Comme ça. C'est de la cire d'abeille naturelle. C'est celle-là que j'ai utilisée pour faire les deux couches de cire entre les peintures. OK. Si vous voulez mettre une cire brune après, parce que vous pourriez mettre une cire brune, là, ça ferait vraiment beau aussi. Là. Ça, c'est juste que moi, c'est pas ça que je veux. Mais si ça vous dit, ça ferait encore plus bois de grange, encore plus vieillot... ça serait très, très beau, là, OK? Vous pouvez prendre la cire brune de Color Antique, OK? Elle est vraiment brune, elle est crémeuse, elle est vraiment bonne, OK? Fait que vous pourriez prendre ça. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus shabby chic, un peu plus vintage, vous pourriez prendre aussi une cire blanche, OK? Comme ça. La cire blanche qui est ici, OK? Faut pas oublier, quand vous faites les cires de couleur, ça prend un peu plus de temps à sécher qu'une cire naturelle. Parce que
Oui, on va la polir, mais on la polit un peu moins parce qu'on veut garder la couleur sur le meuble, évidemment. Fait que ça peut prendre un peu plus de temps. J'ai bloqué la personne. Merci, Nathalie. Super gentil. À un moment donné, je l'ai signalé. Merci, Sylvie. Merci. Joanie, tout le monde. Oui, moi, je vais m'en occuper. Parfait. J'essaie de les voir pas de vernis à cause de la cire qu'elle a mis, mais tu peux. Ouais, c'est ça. OK, c'est sûr que les personnes qui posent la question, est-ce qu'on peut mettre un vernis sur le meuble? Dans le cas de ce faux fini-là, en particulier, parce qu'on a mis de la cire entre les couches pour enlever la peinture, non, on ne peut pas mettre de vernis. Mais si vous faites un meuble opaque, avec une peinture opaque, puis vous n'avez pas mis de cire entre les couches pour faire un faux fini quelconque, oui, vous pourriez verner votre meuble, OK? C'est pas jamais vous ne pouvez pas verner votre meuble. C'est juste que là, dans l'état de ce faux fini-là, on ne peut pas le faire. OK? C'est juste ça. Ça serait peut-être un peu par endroit. Ouais, c'est ça, d'y mettre un peu de noir. Bon, tout à l'heure, quand on parlait de Margarita, OK? Je vais vous montrer la couleur Margarita. Parce que je veux vous dire à quel point c'est juste drôle parce que cet après-midi, j'y ai pensé. Ça, c'est la couleur sirène, OK? C'est un turquoise et c'est super beau. Et ça, c'est la couleur Margarita. Là, c'est sûr qu'avec ma lumière, là, ça jure un peu. C'est un vert jaune un peu. Il est vraiment beau, honnêtement. Donc, je pourrais, OK, avec mon pinceau, les mettre un petit peu peut-être dans les coins, peut-être ici, là, un petit peu de mon turquoise, un petit peu de mon vert. Si je veux faire un meuble un peu plus... on voit ça des meubles qui ont différentes couleurs comme ça, usés. On voit ça souvent dans les boutiques de type je pense que c'est Artemano, je ne sais pas trop quoi. Là, en tout cas, des types de meubles comme ça qu'on retrouve qui viennent de l'extérieur. Souvent, justement, Marie-Christine, dans Design VIP, elle a souvent des meubles un peu comme ça, vieillots, qu'il y a plein de couleurs dedans. Fait que ça peut être un... Ça peut être un facteur intéressant si ça vous dit de rajouter. Fait que vous pourriez y aller avec un pinceau, pas trop de peinture dessus, y aller à quelques endroits doucement, et puis même gratter un peu, puis laisser des espaces usés avec des teintes différentes comme ça, vous pourriez rajouter par-dessus. Mais je vous le dis, si vous utilisez par exemple Margarita ou Sirène, avec cette couleur-là, ça ressort très bien. Si vous voulez faire ce faux fini-là dans les tons de gris, vous pourriez prendre, mettons, poussière de tracteur, qui est un gris très, très charcoal, qui est très gris-gris foncé, avec un blanc ou un gris très pâle. Vous pourriez jouer avec ces gris-là, puis ça serait vraiment beau aussi. Ça ferait un autre type de meuble, un peu vintage. Moi, c'est parce que ça me tentait d'y aller avec le vert, mais honnêtement, j'aurais pu prendre gris, ça aurait fait super beau aussi. Juste le Margarita, ben oui, certainement. Peux-tu redonner le mix des deux couleurs? Oui, le mix des deux couleurs, c'est Jardin d'été, qui est un vert. Je vous le remonte. Bougez pas. Puis mon bleu, you. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon bleu? Il est rendu où? Ah, il est à terre. OK, je vous montre ça tout de suite. Okay. Donc, j'ai utilisé Jardin d'été, qui est un beau vert mousseline pâle, OK? Et j'ai utilisé Océane, qui est un bleu, un beau bleu pâle, mais qui tire vers le gris-vert. Je ne sais pas comment dire ça, c'est très pâle. C'est très beau, c'est un beau bleu. Donc, j'ai mélangé vraiment part égal de ces deux couleurs-là, OK? Vraiment, vraiment, deux moitié-moitié, OK? Et c'est ce qui a fait mon fameux vert antique en arrière. Fait que les deux, parce que les deux, j'ai trouvé un petit peu trop pastel tout seul. Puis le mélange des deux fait vraiment un beau vert. Ça pourrait être beau aussi, parce que j'ai failli le faire avec cette couleur-là. Avec, voyons, j'ai un blanc de mémoire, je vous le montre tout de suite. Là. Bougez pas. Avec Mer des Caraïbes, OK? Qui est ce bleu-vert-là. Ça aurait pu être bien beau avec ça aussi. OK? Fait que, tu sais, ça dépend toujours des goûts, là.
OK, si ton meuble est verni, quel dois-je faire en premier? Si ton meuble est verni, est-ce qu'il est... OK, question comme ça, avant, ça c'est pour Manon qui vient de me poser la question. Si ton meuble est verni, verni sur le bois, mettons, de base, là, sans peinture, sans rien, là, c'est ça que tu veux dire? Si c'est le cas, tu peux le sabler légèrement. Le nettoyer, ça c'est sûr. Le sabler légèrement, puis après ça, tu t'en vas puis tu fais ça sans problème. Colin, que je regrette pas d'avoir écouté ton live. On apprend beaucoup, moi qui aime créer à défaut fini, mais je suis une fan finie. Merci, oh, merci Sylvie, t'es bien gentille. Si vous cherchez à faire des transformations de meubles, vous pourriez acheter sur Color Antique mon magazine que j'avais fait de transformation de meubles, qui est le numéro 4. Qui est le dernier, qui est fait complètement avec Color Antique. Ou si vous allez sur mon blog natachacreative.com, dans la section boutique, vous allez pouvoir retrouver mon magazine 1, 2, 3, ainsi que le 4, celui avec Color Antique. Donc, vous pourriez avoir plein de projets de transformation de meubles. Fait que ça pourrait être une bonne affaire. Si vous voulez vous initier à faire plus de création. J'ai des cours en ligne aussi sur ma page. Quand vous allez dans ma boutique en ligne sur Natacha Créative, j'ai quelques cours. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Sinon, vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube, mais j'ai pas fait beaucoup de meubles sur ma chaîne YouTube, par contre. J'en ai un, je pense, de fait. C'est tout. J'essaie de faire de plus en plus de vidéos. C'est pas évident. C'est très long à faire. C'est beaucoup de montage. Mais c'est ça. Mais là, on va en faire plusieurs parce que, comme je vous dis, dans les prochaines semaines, j'ai plusieurs meubles à faire. Comme vous avez vu, j'en ai quelques-uns. J'en ai un qui est en arrière, là, si vous voyez, il est noir de l'autre côté de moi. C'est comme un petit buffet que j'ai dans mon salon. Je vais le transformer. Je m'en vais chercher de quoi demain pour ça, justement. Mais je vous en reparlerai dans un story. Donc, si vous me suivez sur les stories, vous allez voir exactement ce qu'il y en a. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez voir. Parce que, descendez plus bas dans mon Instagram. Allez voir les autres meubles que j'ai fait. J'en ai fait vraiment beaucoup. Donc, si c'est une première pour vous autres de m'écouter ou de voir une transformation de meubles, allez voir les autres que j'ai faites au courant des années. Parce que ça fait longtemps que j'en fais, même très longtemps. J'en fais depuis 2001, je pense, 2002. Donc, ça fait un bon moment. première fois que je... Ah, super! Pauline a dit, tu donnes une bonne idée pour tes portes d'armoire de salle de bain. Ouais. Donc, moi, je vais continuer ça. Puis, on va se revoir pour un direct pour le terminer. On va le terminer ensemble. Je vais vous montrer les poignées. Puis je vous montrerai d'autres affaires en même temps, mais je vais quand même faire ces étapes-là ici, partout avant de continuer, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire en haut, puis tout dépendant de ce que je vais décider, ben je vous en reparlerai. Je lis vos petits commentaires. Hey, super! Donc, merci à vous autres, bonne fin de soirée, merci d'avoir été là, j'espère que je vais vous avoir... je vais avoir répondu à pas mal de vos questions. Si vous cherchez la peinture, vous pouvez toujours aller sur colorantique.com. J'ai un code promo qui est Natacha. Vous allez avoir un rabais sur la peinture. Et puis, ils ont plusieurs chroniques aussi sur leur site Internet. Donc, vous allez pouvoir aller voir là-dessus. Fait que bonne fin de soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, bonne transfo à vous autres. J'espère que vous allez en faire, vous autres aussi. Et moi, je continue ça, puis on va se revoir pour un prochain direct avec le meuble. Hey, merci! Bye tout le monde! Bonne fin de soirée! Bye!